Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, on repart avec l'Ethiopie. L'Ethiopie, oui, tout à fait. On va essayer d'aller en combat théologique contre ces deux missionnaires, et puis nos deux missionnaires à nous, on va les envoyer vers le Congo, puisque maintenant j'aimerais bien récupérer des relations correctes avec lui. Ça passera par la conversion de ces villes notamment. Il reste deux propagations, mais je vais remonter vers les missionnaires qui sont pénibles ici. Un, et toi tu vas aussi remonter tout de suite sans attendre. Deux. Ici, Église Rupèce plus 4, ça me paraît déjà pas mal. À Addis Abeba, place du Tate terminée. Produit pas encore trop mal, enfin 28 c'est pas beaucoup, hein, mais on sait pourquoi. On va essayer de faire sans trop tarder les quartiers correspondants. Non, je peux faire un quartier supplémentaire aussi. Les bâtiments correspondants, je voulais dire. Bon, si je fais la zone industrielle ici, le bonus n'est pas génial, mais on va apporter plus tard l'électricité à toutes les villes autour. Il n'y a que Kaokia qui ne l'aura pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à un près. Donc, ce serait peut-être bien quand même d'aller là, de faire ceci, un quartier quand même au moins un quartier de production. Du coup, on fera pas de zone commerciale ici sans doute, peut-être plus tard. Quand même qu'on va le faire. Qui me permettra peut-être d'augmenter ma production pour faire encore une ou l'autre merveille à la capitale. On va quand même d'abord faire l'amphithéâtre et je vais essayer de booster un petit peu la production. On va enlever ceci, hein, puisqu'on va faire un quartier. Bon, je vais acheter un bâtisseur juste pour couper. Est-ce qu'on enverrait ma cavalerie là? Ça serait un peu gâché, je trouve. On va la laisser ici. Voilà. On prend ça. Alors du coup, peut-être qu'on en aura deux. Est-ce qu'on en avait déjà avant? On va regarder, on va essayer d'échanger avec quelqu'un. Si on en avait déjà avant. Est-ce que tu me donnerais un chef-d'œuvre? ?400 aidés, ben, je prends. Hein. Je le prends. Donc on peut les mettre où? Faut pas oublier que mes obélisques peuvent être remplis avec ces écrits. Donc comme je suis un petit peu en retard pour les produire, si je vois qu'on n'arrive pas à tout remplir, on en achètera. Éventuellement acheter des reliques, ce serait pas mal aussi. Honnêtement, ce serait pas mal. Alors ici on a plaine, plaine. On va pas couper, on va attendre d'avoir la recherche nécessaire. On peut aller ici par contre. Allez, fin dans 8 tours. On l'attend, cette fin d'ère médiévale, pour avoir le... pour avoir la pression peut-être sur Bukavu nécessaire pour faire vaciller. Temple, oui, clairement, je veux un temple vite. Maintenant, on peut faire un nouveau quartier. Campus à plus 4 ici. Hein. Quand même très tentant de faire encore un dernier campus. À plus 4. Je crois que j'en ai pas vraiment besoin. La plateforme commerciale, elle viendra ici ou là, peu importe. Si on fait la plateforme commerciale là, on fera le temple là, peut-être, sans doute. Enfin, là, on fera la place du théâtre plutôt là. Je crois qu'on peut se passer du campus, mais par contre, je veux vraiment mettre le boost sur les plateformes, les routes, les places du théâtre. Je vais y arriver. On n'est pas loin de l'aviation de toute manière. Et regardez ce que je vais faire. On va essayer d'économiser de la foi pour acheter Galilée, science plus 250 pour chaque case de montagne adjacente. On a ici une possibilité d'avoir quasiment le maximum. Donc, je vais essayer d'économiser. On est à combien? Il manque 1900, mais on... J'en gagne beaucoup, hein, 200 par tour, donc on va acheter Galilée, tout simplement, sans aucun problème. Bon, alors avec toi,
Pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'on va gagner? 15 tours ceci. Je pourrais acheter ça évidemment, mais pas vraiment besoin. On a déjà. On va aller exploiter un peu le riz là-bas. Je n'ai pas encore fait. Cette tour, mais qu'il est complexe de loisirs. Bien. Ici, on va quand même faire une plateforme commerciale aussi. On a déjà la place du théâtre, donc c'est bien. On va faire l'amphithéâtre d'abord pour gagner un peu de... On va faire ça. Gagner un peu plus de points d'écrivains illustres. Ensuite, on met la plateforme commerciale ici à plus 2. À Dessy, est-ce que je peux faire rapidement une petite unité ou ça va être trop long? À 9 tours pour un spadassin. J'aurai plus d'activité. Ah bah l'étrier c'est 18 tours directement. C'est un peu trop cher. Pour le lieu saint, je pense peut-être qu'on va plus en faire d'autres. Je voudrais la plateforme commerciale certainement. Peut-être le duo avec le port. Maintenant je préfère faire place du théâtre. Ce stade-ci. Donc plateforme commerciale ici du coup, place du théâtre. Là ou là. On va mettre là, comme ça, si on met un port là, ça va bien se combiner. Donc je fais en priorité les quartiers parce que ça bloque leur prix. Je pourrais changer, bloquer, commencer à le mettre, les mettre dans la file d'attente. Mais quand ils sont faits, ils produisent les points de personnages illustres directement. Donc ça, j'aimerais bien vraiment en produire plus. Si vous devez 100 dollars à la banque, c'est votre problème. Si vous devez 100 millions de dollars à la banque. Banque dont j'ai pas un besoin absolu. Alors là, on va peut-être faire des tests colossales, mais j'avais dit que je garderais la place pour un quartier, peut-être aussi. On va déjà aller prendre les bananes. Bien. Si on en convertit plusieurs, ça va lui faire encore plus plaisir. Ou alors peut-être que ça ne marche qu'une fois, ça je ne sais pas. Il y en a un de ces rascals qui se trouve ici. Il s'enfuit le pleutre. Ayant pu observer une économie d'un autre type, je comprends. Les séries peuvent être conduites, construites sur les cases de forêt tropicale. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Bon, gouvernement, est-ce qu'on ne devrait pas changer un petit peu ici? On pourrait débloquer la République maritime pour moi, hein, ce serait le mieux. Bon, il y a les achats avec de la foi moins 15, mais la production plus 15% pour les quartiers, on en fait quand même pas mal, ce serait bien. On en est où? On est là, bah c'est 4 tours pour la République maritime, je crois que ça vaut la peine. Les cases vertes, rouges, je n'aurais pas besoin de beaucoup. Les autres, ça va vraiment aider pour ma victoire touristique, donc je pense que c'est bien. On a une joker à toute manière. Ouais, ça c'est bien. En 4 tours, on change de gouvernement. Amphithéâtre. À Addis Abeba. Donc j'avais dit que j'en ferais peut-être la plateforme commerciale. Ce serait vraiment pas inutile. Plus 2. C'est bon, c'est converti. J'ai 1500 déjà, attendez. Dans un tour, on va pouvoir acheter... Dans deux tours, on va pouvoir acheter notre personnage illustre. Bon. Alors ici, par contre, l'église rupestre, ça va pas être génial, génial. On a même pas de colline à côté, en fait. Je crois que ça va pas valoir le coup. 1, 2, 3. Je serais peut-être plutôt mieux de mettre une tête colossale ici et de garder les deux forêts. Parce que là, franchement, ça va pas être génial. Il n'y aura pas de bonus.
Donc on va faire ça, on va faire la série. La série 2, 4, c'est déjà quand même... On a besoin de produire plus de toute façon ici. Et là, ce sera les têtes colossales, ceci. Oh, pas mal, on a quasiment rien perdu. C'est mon débatteur? Oui, c'est lui. Il va faire mal, lui. Hein. On a construit tant de quartiers différents. On booste le génie civil. C'est cool. À Gondar. Le premier port est achevé. Allez, c'est parti pour la caravelle. On la veut tout de suite. J'espère que j'ai assez de production. 15, oh là là. C'est pitoyable, on va peut-être l'acheter. Hein. 15 tours, c'est trop long. Ça coûte 960, donc dans un tour, j'achète la caravelle. Honnêtement, je crois que ça vaut la peine. En attendant... Un peu à la bourre pour certaines choses et je peux plus faire de quartier pour le moment, donc on va viser la croissance de la ville. Le grenier. Le phare peut-être. Phare et puis on verra. Bon, il me reste que deux propagations, on peut en faire une là. Que une, on va se balader. Voilà ici. L'histoire naturelle de ces îles est éminemment curieuse et mérite la plus grande attention. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Oh, j'ai encore un éclaireur vivant qui est en train de se balader. C'est bien ça. Ça aidera un petit peu la caravelle. De tout ce que l'homme a créé, bien peu s'approche de ce qu'on peut voir. Et on a les frégates. C'est pas pour les frégates, mais c'est pour avancer vers l'aviation. Il y avait un gars ici. Voilà, j'ai 2100, donc j'achète évidemment Galilée, ça va trop nous aider. Il va changer le destin de l'Éthiopie, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et il me reste encore pas mal de fois, donc je vais acheter... ici. Encore deux missionnaires. Construction instantanée d'université et de bibliothèque, sciences plus 2 pour les universités. Bon, on n'aura plus besoin de tant de sciences que ça. Enfin, ça peut aider, mais... Ok. Bon, on va faire juste un trio de fermes, là, honnêtement. On pourrait exploiter, hein. Pour donner la nourriture directement à la ville. On manquera pas a priori de nourriture. Mais elle va grossir bien de toute façon, je vais l'améliorer. Le jour où nous cesserons toute exploration sera le jour où nous accepterons de vivre dans un monde stagnant, vide de toute curiosité et de rêve. Nourriture plus 1 pour les pâturages, on est déjà quelques-uns, et la République maritime, donc on va changer de gouvernement.
Vous savez, je pensais à un truc, c'est que j'ai fait la zone commerciale dans ma capitale au lieu de faire la zone industrielle comme je voulais, mais au final, je regrette pas tant que ça, c'est pas grave. Point d'artiste illustre plus 2, on va prendre les points d'écrivain illustre. On a plein d'endroits grâce à nos monuments, donc faut les remplir. D'ailleurs, quand j'aurai un petit peu plus d'argent, on va essayer d'aller échanger encore l'une ou l'autre œuvre. Ça, on garde. Bonus de proximité des lieux saints, on garde. Alors ici, on va jouer sur les activités et les habitations. Peut-être prendre habitation plus 2 quand on a 3 quartiers spécialisés. On commence à en avoir quand même pas mal. Ça peut m'aider mes plus grosses villes à grossir encore plus. Et rappelez-vous, j'ai besoin de grosses villes pour aller exploiter les églises rupestres et les têtes colossales, qui sont des cases qui sont pas vraiment améliorées. Donc après, plus tard, ces cases-là, même si elles ne sont pas exploitées, on aura quand même le tourisme, donc c'est pas si important que ça. Mais voilà, on prendra les merveilles quand on en fera une. J'aurais pu prendre le bonus de proximité des zones commerciales aussi, on changera peut-être pour ça la prochaine fois. Alors, missionnaire, on repart vers la gauche. Il y a Mbamba encore une fois qu'il faut reconvertir. Mpinda. Dogma. Alors, a priori, on devrait aller vers l'histoire naturelle maintenant le plus vite possible pour avoir les archéologues. Ça, ce serait important. On va quand même regarder s'il n'y a pas d'autres petites choses plus rapides qu'on peut avoir vite. Comme par exemple le service diplomatique. Pour notre premier espion et faire les ambassades permanentes, ce sera quand même bien. Sachant que l'histoire naturelle, on peut quand même l'avoir vite. On essaiera d'y aller quand même rapidos après, je pense. Ok, pas mal. On pourra en ramener un autre ici pour finir la conversion. Pourquoi pas les envoyer aux quatre vents, c'est un peu dommage. On va en remonter un par là pour terminer. Voilà, alors ici c'est Galilée, donc évidemment je vais le mettre ici. Évidemment. On va commencer par le changer de ville. Pour gagner un peu de temps. Ouais, j'ai plus qu'une propagation, il faut se battre. Très très hâte de voir les résultats évidemment des âges d'or. Est-ce que les autres vont en avoir un? Est-ce que le Congo va en avoir un? Il est flatteur, très bien. Emballé et produit en masse. Alors ce n'est ni de l'art, ni la vérité. Indépendance d'une ville étrangère, d'accord. Ok, engagement, alors qu'est-ce qu'on a eu? Âge normal pour le Congo, bon. Monumentalité. Alors, je pourrais racheter des unités civiles avec de la foi, là, j'en ai plus vraiment besoin. Le coût en foi et en or des bâtisseurs et des colons est réduit de 30%. Je pourrais acheter mes bâtisseurs avec de la foi, ça pourrait être utile. Ça pourrait être vraiment utile. Pour terminer de construire mon empire, ça pourrait être bien. Donc, alors, je pense que la conversion, c'est pas vraiment mon but, j'ai pas besoin. Ok. Les routes commerciales internationales octroient 3 unités d'or par quartier spécialisé dans la ville étrangère. On va jouer sur la monumentalité, c'est ce qui va m'être le plus utile pour me développer vite. Du moins, je pense. Alors, on va aller voir la ville là-bas. Elle tient le coup au niveau de la loyauté quand même, c'est quand même assez étonnant. On a des grosses villes à côté. Font beaucoup de pression. Peut-être que ça se verra au tour prochain. Des fois ça se passe comme ça, donc lui on va le faire revenir. Il y a lui, on peut le buter. Toi tu vas remonter vers cet apôtre là. Toi tu vas là.
Dans la diplomatie, on rencontre deux types de problèmes, les petits et les gros. Les petits se résolvent d'eux-mêmes et les gros sont... La chancellerie donne des points d'influence par tour. Et lorsqu'on capture un espion ennemi, on reçoit 52 sciences pour chaque niveau de l'espion. Ça me paraît pas si dingue, honnêtement. Donc, il faut absolument qu'on trouve un titre de gouverneur, puisqu'on va pouvoir améliorer notre gouverneur. Puisqu'on a une nouvelle ère, endoctrinement, le fanatique, on va l'acheter avec de la foi. Alors du coup, tous mes coûts d'unité civile vont être diminués de 30%. Je pense que grâce à la monumentalité, les fanatiques vont me coûter moins cher, ça va être dingue. Ah, c'est vraiment le bon moment, en fait. C'est vraiment le bon moment. Oh, c'est top. C'est trop bien. Ça ne peut être qu'une unité civile. Ok, il me faut un titre de gouverneur. Le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bah, ce sera 4 tours minimum. On va vers le colonialisme et on aura l'histoire naturelle dans la foulée, donc très bien. Production plus 1 pour les bateaux de pêche aussi, honnêtement, on crache pas dessus. Allez, marché pour avoir... Peut-être l'acheter. On va avoir une route commerciale de plus. On produit pas beaucoup. Hein. Maintenant, dans les villes qui sont comme ça peu productives, on va sans doute acheter les bâtiments ou quelques-uns en tout cas. Non, je peux faire encore un... une nouvelle zone. On va plutôt acheter. Je vais acheter le marché. Et on va produire... Ah, j'ai toujours envie d'acheter en fait, c'est tellement c'est lent. Il n'y a pas de production ici, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais aussi acheter l'amphithéâtre pour les points d'écrivain illustre. Et ensuite, il va quand même se débrouiller un petit peu. On pourrait faire le port à côté. J'aurai deux ports au final, ce sera largement suffisant. La zone indue, on n'en fera aucune qui touche suffisamment de villes et qui soit bien. Allez, le port, on va le laisser faire tout seul. Ici, on a converti, c'est ok. On va par là. Encore un petit combat et puis on va rentrer le soigner. Non, pas de risque. Benvenuti alla cour d'Arianou, duchessa d'Aquitania, reina consort de France et d'Angleterre. Giugiairez d'amour. Alors le Congo maintenant, ça a l'air d'aller mieux. oui, enfin bof. Attendez, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ça? Ça va pas mieux du tout, il devient complètement dingo. Bon, ça devrait aller mieux. Ok, on va voir si on peut faire des ambassades chez les autres en tout cas. Ça va aider. Voilà, et puis maintenant on a elle. Empire Angevin construit des villes densément peuplées. Apprécie les civils dont les villes proches sont très peuplées. Hmm. Est-ce qu'on peut faire un petit marché sympathique? Libre passage. Oui, ça va, on va arriver à en faire une alliée. Enfin, une alliée, je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un avec qui on peut bien s'entendre, je pense, sans trop de problèmes. On va prendre les agrumes. Accepté, on va essayer d'échanger peut-être l'une ou l'autre, un ou l'autre chef-d'œuvre. 104 plus 300 et quelques, 520. Ça devient un petit peu cher quand même, je vais attendre. Voilà, dans quelques tours, on devrait pouvoir faire une amitié avec elle. Oh, attention là quand même. Je crois qu'ils peuvent entrer en combat religieux. On va essayer de le faire revenir.
Allez, ça, ça va vraiment être le truc qui va bien nous aider. Les assertions invérifiables, les allégations irréfutables... Université d'Oxford, probablement on la fera pas. Aucune valeur véridique. Leur seul... Et on a déjà bien avancé dans l'industrialisation. Trois ateliers, j'aurais pas, mais reste que cinq tours. J'ai une route commerciale à faire en plus, faut pas l'oublier. Est-ce qu'il est? Il est là. Bien. On va s'entendre. On va s'entendre. Pas pour l'instant. Congrès mondial, que se passe-t-il? Demande d'aide. Il a subi une catastrophe naturelle. Les actions valant des points. Envoi d'or, le projet. Des points de victoire ou de faveur diplomatique, on peut toujours voter pour. Le okay. Colonialisme, l'expansion forcée du règne de la raison. Mais qui ira l'inculquer aux colonisateurs? On va peut-être changer de doctrine. Dans des colonialismes, ok, mais... Oh, j'ai pas vu. J'ai mal lu. C'est des émissaires que j'avais ici, pas un gouverneur. On va quand même faire ça pour avoir le plus vite possible... Bon, c'est pas grave, 5 tours c'est vite fait. Hein. Et je voudrais vraiment améliorer mon gouverneur pour aller faire réduire la loyauté des villes adjacentes. Au moins essayer, quoi, voir un peu ce que ça donne. D'autant plus qu'il peut faire des reliques. Et... J'aimerais bien voir si ces reliques créent du tourisme, ce qui est pas sûr non plus, vu le type de culte dont il s'agit. Je serais pas étonné qu'elles produisent pas de tourisme en fait. Amec et les plateformes commerciales, bah marché direct, hein, on va faire ce qu'il faut. Envoyer émissaire 2. You have proved a reliable partner. Toujours pas, encore une conversion et ça devrait être bon ici. Hein. Non. Ça résiste ici. Hein. Pas évident. Ok, Addis Abeba, le marché terminé, on va faire un négociant et peut-être même directement deux. On va en faire trois vraiment? Bon, je pense qu'ils vont être bloqués, je crois qu'on peut en faire deux. Bon, on va faire revenir en défense peut-être ces apôtres. Thank you.
Les mots-clés d'une économie violente sont l'urbanisation... Production plus 1 pour les mines. Bon, on a le charbon, ça, ça peut vraiment nous aider. L'efficacité, la quantité et la vitesse. Ça peut vraiment nous aider. L'alliance avec Wilfrid Laurier a gagné un niveau. Cool. Niveau 2 d'alliés scientifiques. Science plus 2 pour les routes commerciales. Science plus 1 pour les routes commerciales depuis les villes de l'allié. Les 30 tours, on débloque un Eureka pour le tech que votre allié a découverte ou amélioré, mais pas vous. Okay. Ici le phare, donc on va... on va aller faire quoi ? Chantier naval, il va me booster pas mal ma production éventuellement. 16 tours, c'est un petit peu longué quand même. Après ici on fera la place du théâtre, donc si j'anticipe un petit peu que je booste ma production, on la fera plus vite. Et ce sera bien. Mm-hmm. Dans 9 tours l'aviation. On fera pas la merveille évidemment en 8 tours maintenant, donc on va continuer. Écrivain illustre, on recrute. Donc attention que je veux vraiment maintenant faire des têtes colossales et tout ça. Là où elles vont me rapporter du tourisme. Dès que j'aurai l'aviation, c'est parti, ça commencera à me rapporter. Hein. Donc faut... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la carte bientôt et qu'on mettra la carte qui permet d'avoir les bêtes sauvages avec plus de charges. Celle-là. Et à ce moment-là, j'essaierai d'en acheter pas mal. Ok, la foi pour l'instant, on va la garder pour acheter. On pourra éventuellement acheter ces trucs-là aussi. Bon, je vais acheter la synagogue. Hein. Il faut se rappeler qu'on peut acheter également... On va plutôt mettre le paquet sur ça. Hein. Musée archéo, je peux l'acheter si je veux. Et on pourra également acheter l'archéologue directement. Et ça, c'est pas encore pour tout de suite. Pour l'instant, je vais acheter la synagogue. On va acheter en fait les musées archéologiques dans les villes qui ont peu de production, genre Kaokia. Et produire les musées d'art directement ici. Ce sera plus malin. Là, comme je sais que je vais vouloir l'acheter, on produit vraiment pas beaucoup ici. 15. On va acheter le musée archéo déjà et on va profiter des points qu'il donne. Un point d'écrivain illustre, 2 points d'artiste illustre. Et en plus, ça me booste l'histoire naturelle. Donc c'est fort. Hein. Dans un tour, le génie civil. Je crois que là, on produit pas grand-chose non plus. 16, on achètera peut-être un musée archéo également. Ah, 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 par... ah, 14 aussi, vous allez me dire. On peut pas faire que des musées archéologiques. Hein. Bon, il y a la place de la gouvernance qu'on peut améliorer. On va peut-être le faire maintenant. Ça, c'est pour les cités-états. L'espionnage ou la foi. On peut acheter des unités terrestres avec la foi. Peut-être faire ça au cas où on serait attaqué. L'espionnage, m'en fiche un petit peu. Enfin, je m'en fiche un petit peu, c'est utile, mais... En même temps, qui va me déclarer la guerre maintenant? On va être content, ami avec tout le monde. On essaiera de voler peut-être des objets avec nos espions. Si je prends ceci. Allez, on va faire l'espionnage. Nouvelle route. Alors, on en a avec Barberousse, avec Laurier. Donc, on va essayer avec le Congo ou la Grèce directement. Ces douanes. On va peut-être démarrer du coup... de Harare. Sur quoi il faut remarquer que les...
Une erreur classique chez ceux qui tentent de concevoir des systèmes parfaitement infaillibles est de sous-estimer le degré d'astuce des imbéciles. Donc, changer de doctrine, on va mettre la carte avec les bâtisseurs. Deux aménagements supplémentaires, ça on garde. Ça on garde. Ça aussi. Quiconque veut fonder un... Et on va probablement acheter des bâtisseurs directement. Là où je sais que je veux faire des têtes colossales notamment, bah, il y en a ici, hein. On a une ici, on pourrait mettre. Tout ça c'est de la forêt tropicale, donc ça va rapporter. Notez que je peux les acheter avec de la foi vu que j'ai la monumentalité aussi. C'est encore mieux. On va les acheter avec de la foi et on va garder l'or pour construire les bâtiments dans les villes qui produisent peu. Ici, il n'y a pas beaucoup de place, hein, mais on a des choses à améliorer là. Je vais quand même acheter un bâtisseur aussi. Cinq charges, c'est bon, ça marche. Là, il n'y a pas tant besoin que ça, parce que j'ai pas de case super intéressante, mais... Pour au moins faire l'une tête colossale ou l'autre, et puis de toute façon, comme ça, je les ai, les bâtisseurs. On va améliorer tout. Ici, on va en acheter un aussi, bah oui. Oh purée, on se fait plaisir hein, quand même. Et à noter que les négociants sont considérés comme des... Enfin, ça coûte pas très cher à faire. Comme des unités civiles également. J'aurais pu acheter tous les bâtisseurs là, vous allez me dire, pour Liang, mais après, il faut encore les déplacer. J'aurais pu en prendre que un par tour. A priori. Donc, tu vas aller vers le Congo ou la Macédoine. Le Congo, on s'entend pas encore super bien avec eux, ça pourrait peut-être donner un petit coup de pouce. On va aller vers ceci. Ou là, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, allez. Amitié, pas encore. L'ambassade, c'est bon. Allez, l'alliance militaire, bien. Tiens. Il y a du combat à faire par là, mais j'avais dit que je voulais me reposer un petit peu. Après, c'est le martyr, hein, la création d'une relique. De toute façon, on aimerait bien y passer. On va aller se faire déglinguer. Et on va vers l'histoire naturelle. 4 tours seulement, on pourra acheter nos archéologues avec de la foi directement. Donc on va essayer quand même de faire pas mal de musées archéologiques, hein, parce qu'on va être les premiers à faire des archéologues sans doute. On va les déverser sur le monde et tout piller façon british. On va... Oui, ça va être... Tout ça va se retrouver dans le Londres éthiopien. Ok. Dans l'Ethiopish Museum. Voilà, place du tas terminée. Alors vous savez quoi, on va faire la pause maintenant. Et on va se retrouver bientôt pour la prochaine vidéo. Ça prend une belle tournure. Bon, je sais pas si on arrivera à gagner, ni si on arrivera à gagner très vite, mais je fais mon possible pour jouer de manière vraiment ciblée. Et depuis quelques let's play, je prends vraiment grand plaisir à essayer de cibler mes parties, essayer de me concentrer sur un type de victoire et d'une manière d'y arriver, le plus vite possible pour moi en tout cas. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me continue en tout cas à me plaire. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous.